Eh hey, oui. On joue à cache-cache. Ah oui, j'adore jouer à cache-cache. Mais, trop ça, mais attends, c'est toi qui compte en premier. Rep là. Un, deux, trois, merde, merde. Quatre. Je suis prêt. Cinq. Six. Ouais, sept. C'est bon. Huit. Bah qu'est-ce que tu fais là, toi? Voilà. Quoi? Moi aussi, j'ai le droit de jouer. Neuf. Dix. Onze. Douze. C'est bon. 13, 14, 15, ok pour moi, 16, oh, attendez, 17, j'ai le cul coincé, 18, 19, 20, ok c'est bon, prêt ou pas, j'arrive. Oh, j'ai chaud. Oui, on trouvera jamais. Tout le monde est bien caché? Bah ouais. Profitons de ce petit moment magique où chacun est blotti dans sa cachette. Merde. Merde, ah merde, oui, merde, merde, alors il y a merde, ceux qui merde, galèrent un peu pour trouver une bonne cachette merde. Et qui prennent ça un peu trop à cœur. Pitié, il faut que je me cache, c'est une question de vie ou de mort. Il y a ceux qui pensent que leur cachette est nulle. C'est pas vrai, on voit mes pattes. Ce qui est d'ailleurs parfois justifié. Quoi? C'est ma faute si elle est pourrie ma cachette? Oh. Ce qui est drôle en fait dans les parties de cache-cache, c'est que le jeu révèle les personnalités de chacun. Par exemple, il y a ceux qui croient qu'on ne les voit pas. Je ne fais qu'un avec l'oreiller. L'oreiller et moi, et je suis l'oreiller. Ensuite, il y a les guetteurs. Ils ont trouvé une bonne cachette, mais ils peuvent pas s'empêcher de jeter un œil de temps en temps pour vérifier que personne ne vient. Quand le guetteur perd patience et sort trop tôt de sa cachette, il devient alors ce qu'on appelle dans notre jargon l'impatient. C'est ballot, parce qu'avec une si belle cachette, il aurait pu gagner. Ah, c'est bon quoi, ça fait déjà 10 secondes que je suis caché là. Je veux pas y passer ma vie non plus. À l'opposé, on a les champions de la fausse bonne idée. C'est comme si je me fondais dans le décor. C'est pas qu'ils font pas d'efforts. C'est juste qu'il y a un détail qui leur échappe. Mais laisse-moi, je te dis. Va trouver ta cachette à toi. Oh là là, ça va. Oh. Bon, je vais aller là. Hop là. Les gars, vous êtes au courant que je vous ai vu vous cacher? Il y a ceux qui se compliquent la vie. On vaincre sans péril! On triomphe sans gloire! Ou les flemmards qui jouent le jeu, mais à qui faut pas trop en demander. T'es caché là? Ouais. Ok. Et comme vous vous en doutez, de flemmards à démotiver qui n'a plus envie de jouer, il n'y a qu'un pas. Trouvé! Ouais, tu m'as trouvé, t'es trop fort! Tu te fous de ma gueule, c'est ça? Pas du tout, t'es trop un champion! Ça va, j'ai compris. Bah reviens! On peut jouer à chat si tu veux! Je t'emmerde! Copain. Le cache-cache, c'est bien aussi comme prétexte pour assouvir de vieux fantasmes. C'est l'occasion de se cacher dans tous les petits coins un peu interdits. Dis donc, Quoi? Sur l'étendoir à linge, t'es sûr? Si, j'ai le droit. Il y en a même qui sont tellement bien dans leur cachette qu'ils finissent par s'y endormir. Et puis, il y a ceux qui veulent pas partager leur cachette. Dégage! Ah bah d'accord. Mais dégage! T'es pas très sympa, toi. C'est ma cachette, à moi. Bon. Ou au contraire, ceux qui se cachent ensemble pour faire les pitres. Bon, on est bien cachés. Ouais, on va rester là. On n'est pas là! Mais tu viens de s'entendre! Appelés communément les chapitres. Ouh! Mais tais-toi! Il y a ceux qui refusent d'arrêter de jouer. Trouvé. Non. Bah, si, t'es trouvé, là. Non. Ouh, trouvé. Laisse-moi. Mais je sais que t'es là. Je t'ai vu bouger. Non. À ne pas confondre avec les mauvais joueurs. Trouvé. Non, tu m'as pas trouvé. Dégage. Bah, si, je t'ai trouvé. Je te dis que non. Tu fais chier, hein. T'es bizarre, quand même. Faut me rappeler. Je te déteste. T'es con. Non, je sortirai pas! Je vous déteste! Je te hais! Et puis il y a les pros. Ingénieux, efficaces, prêts à tout pour gagner. Et au-dessus des pros, il y a les ninjas. C'est simple, on ne les voit pas. Et au-dessus des ninjas, il y a le maître. Certains disent que c'est une légende urbaine. On ne sait pas. On n'a jamais rien pu prouver. Mais ça fait peur un peu. C'est fini?
Ce qui est sûr, c'est que les nouvelles générations s'en inspirent. Voilà le travail. Alors s'il vous plaît, partagez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur les réseaux sociaux et témoignez de votre expérience personnelle dans les commentaires pour que si un jour le maître réapparaît, vous soyez prêts. Et voilà, c'est bon.